Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, enfin même j'ai fait on va dire une méga pause entre guillemets. Je crois que ça va faire, si je dis pas de bêtises, 1 an que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Alors j'attendais d'avoir le bon équipement pour faire mes vidéos parce que j'avais eu un PC à tour là, mais sauf que la carte graphique, bon, c'était une carte graphique qui faisait tourner les vieux jeux sur PC et tout. Et là, j'ai un PC portable, du coup, ça, on va dire que c'est un petit peu mieux. Bon, après, je me plains pas, mais ce serait, on va dire, mieux que j'ai. J'ai une nouvelle carte graphique, ce serait bien que j'ai une nouvelle carte graphique et tout pour de la meilleure qualité sur d'autres jeux, hein, à part Minecraft bien sûr, parce que Minecraft, bon, la qualité on s'en passe, hein, c'est un peu le gameplay. Donc voilà. Donc, comme je ne l'ai pas dit encore, enfin, peut-être que je l'ai dit, mais je ne me souviens pas, hein, quoique je suis Alzheimer, on va faire un tuto pour faire une maison. Alors, hop, je vais faire un petit peu le tour pour que vous puissiez compter les blocs qu'il y a. Je vais faire en diagonale. Voilà. Alors, je vais prendre du tronc de chêne. Et je vais faire, hop, 4. 4 de hauteur. Comme ça. De hauteur, ici aussi. Non, ça il faut le faire, ça il faut que je le fasse après, hop, ensuite vous reliez, suis en train de penser, il faut pas que je le fasse ici. Ah, pas bon. Ah, ouais, faut que je le fasse là. Voilà. Alors, ensuite, on va faire, c'est que on va prendre du quartz. Alors, si vous êtes en mode créatif ou pas, vous pouvez prendre autre chose que du bloc de charbon. Moi, perso, je vais prendre du bloc de charbon. M'attaque au sol. On pouvait faire aussi une autre couleur que blanc et noir. Alors moi j'ai juste pris ça pour que ce soit, on va dire, classique, dans le sens où c'est simple. Thank you.
Hop, déjà, hop, vous avez le sol. Et on va dire c'est bon. Alors maintenant, vous allez prendre de l'escalier en pierre et en bois. Hop, alors je suis en train de regarder. Okay. Alors, hop, comme ça. Ça possible. Attends, c'est pas possible ça. Pourquoi ça me fait ça? Alors là, hop, je vais pas le faire ici parce que je compte faire une grande fenêtre. Voilà. Alors là, vous pouvez mettre hop, du bois comme ça. Après, c'est pas nécessaire, c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre du bois comme ça. Alors, pour les fenêtres. Moi, je vais prendre du verre noir. Voilà. Alors ensuite pour l'entrée, on va pas vraiment s'attaquer à l'entrée, on va d'abord. Je vais prendre du verre classique.
Voilà. Alors, hop, ici, moi j'ai oublié de l'enlever. Voilà. Pour ajouter du relief, on va dire. Alors, alors ensuite, non, pas fait. Voilà. Hop, voilà. Alors ensuite, on aura plus besoin du verre. Alors les escaliers, gardez-les. Les escaliers en pierre, vous pouvez les garder, on en aura un peu après. Trop collé de la porte. Trop collé à la porte. Voilà, là c'est parfait. On va dire entre guillemets les dalles. Hop. Tac, tac. Alors ensuite, ensuite. Hop, ça on n'en a plus besoin désormais. Alors maintenant. Alors ça j'ai oublié, voilà, moi ça c'est basique dans toutes les maisons, pour moi il devrait avoir ça au moins. Hop, voilà.
Ensuite. Alors pour le frigo, alors on va le faire. Est-ce qu'on le fait comme ça? On va le faire comme ça. Bon, après, il faut imaginer que c'est un frigo. Hein. Là, je fais un petit frigo. Petit frigo étudiant quand même. Hop, voilà. On a le frigo. Imaginez le four. Voilà. Et même, vous pouvez faire une table à découper, on va dire. Quoique pour la table à découper, quoique, il faudrait. Quoique au pire pour la table à découper, c'est pas grave. Ah oui, alors ça. Voilà. Ah non, ça marche pas sur ça. Par exemple, pas ici, mais ici. Voilà. Hop. Histoire de ranger des trucs. Voilà, ça marche bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors. Les dalles. Vous pouvez remplacer les dalles, vous pouvez mettre des lits, hein. Moi je fais juste le lit mais en décoration. Voilà, très bien imaginé. Alors ensuite, maintenant, on va s'attaquer à la décoration. Alors, là, je pourrais rien mettre. Par contre, alors, là, ici, ça va un petit peu, on va dire, déranger. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que je sais plus comment j'avais fait pour la décoration que j'avais fait sur mon ancienne maison. Comment j'avais fait? Ah voilà, j'avais fait comme ça. J'avais deux anciennes maisons, mais moi je sais comment j'avais fait. Je m'en souviens plus. Et du coup on va les remplacer. Tac, tac. On va les remplacer comme ça, voilà. On peut faire ça aussi, hop, voilà. Non mais
craignais? Qu'est-ce que je craignais? Ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. Devoir le mettre comme ça, malheureusement. Bon ben, je crois que c'est, on va dire, la fin. Bon, bien sûr, je l'accorde sur cette maison. Ça n'a pas été vraiment, on va dire, au niveau de la décoration, ça n'a pas été quelque chose d'incroyable. Ce que je suis complètement d'accord avec vous, si c'est ce que vous pensez. J'aurais pu faire mieux, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que là, je suis en train de penser à un système, attention. Un système, je sais plus comment ça s'appelle, le mode de jeu où genre, il faut attaquer des bases et tout. Là. Il faut aussi les défendre, mais c'est genre en PVP, mais je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft en même temps, donc. Ah si, faction PVP, un truc comme ça. Et je vais vous montrer comment faire un truc genre, hyper facile. Personne ne pourrait s'en douter. Faudrait juste que je vois si le système que je suis en train de penser marche. Parce que si ça marche pas, comment dire, je vais avoir le seum mais je vais pas pouvoir le faire. Ce qui va être, on va dire, embêtant. Alors, bien sûr, je vais peut-être rajouter quelque chose avant de terminer sur ça. C'était une mini fontaine juste à côté. Hop. Hop, les dalles encore, des petites dalles. Peut-être rajouter quelque chose. Ah voilà, ça j'ai utilisé. Voilà. C'était une mini fontaine, hein, ça c'est sympa. Ah, j'ai oublié aussi des plaques de pression en bois. C'est plutôt, on va dire, pas mal. J'allais dire j'en rajoute là mais on peut pas. Bon ben je pense que ce tuto pour comment faire une maison est, on va dire, peut-être a été rapide, je sais pas encore combien de temps je suis en train de rec. Je verrai ça après avec le montage. Et donc je vous laisse sur ce magnifique paysage, si puis-je dire, de cette maison. Ciao.